Famille, comment vous allez? Ok. Je viens de voir une bagarre trick devant l'Ivan Nightclub. Là, je sais pas c'est dur quoi. Apparemment, on parle de quelque chose. On a payé, on n'a pas encore fini de boire. On nous demande de rentrer. Bon, moi, je vais pas m'attarder sur ça. Vous comprenez un peu pourquoi les Blancs vont jamais nous respecter, non? Vous comprenez pourquoi les Blancs ne veulent jamais nous accepter sur leur territoire? C'est pour ce genre de désordre-là. Il y a des gens dans la ville-là, eux veulent montrer qu'ils sont trop fous, ils sont trop gamés, ils n'aiment pas trop foutaise. C'est l'humilité, ça fait pas partie de la vie. Bon, vous qui êtes en train de vous bagarrer comme des sauvages devant l'Ivoire de Nightclub, vous cherchez quelle raison? Vous cherchez quel nom? Je ne cherche même pas à connaître la raison. La bagarre ne résout rien. Le résultat, ce n'est que blessure et peut-être incarcération. Vous partez dans le pays des gens et vous pensez que vous êtes à Abidjan. Quand même. Un minimum de savoir-vivre. Ça ne présente pas joli. Je ne sais pas si ce sont des Ivoiriens qui sont en train de faire cette bagarre-là ou bien si ce sont, en tout cas, ce sont les Africains. Parce que moi-même, je suis Africain. Ça ne présente pas joli. Les Blancs passent leur temps à nous insulter là. Quelque part là, vous leur donnez raison. On est sauvage à la base. On doit avoir un minimum de savoir-vivre. C'est-à-dire quand tu guides chez toi et puis tu arrives chez les gens là, faut avoir honte de faire ce que tu aimes faire chez toi à la maison. Parce que tu n'es pas chez toi. Parce que tu n'es pas chez toi. C'est honteux. Quelle que soit la raison, c'est honteux. Le noir ne changera jamais quoi. Le noir il ne changera jamais. Ça fait qu'une forte migraine que je suis en train de faire cette vidéo là. Hein. Ça fait qu'une forte migraine que je suis en train de faire cette vidéo là. Les gens qu'il faut bastonner là, vous les bastonnez pas. Même pour les bagarres en plein jour en plus, vous créez un embouteillage forcé. Vous faites de honte à l'Afrique. Évitez ce genre de comportement là. Évitez ça. Un vrai garçon là, il ne règle pas ses problèmes dans la rue. Il reste en 4 minutes. C'est-à-dire quand tu finis de faire bruit, lui t'attrape dans un couloir où il n'y a pas l'homme, où il n'aura même pas séparation. Et puis il te corrige bien. Mais ça tape ici, ça tombe là-bas, ça. Oh, vraiment. Petite vidéo, moi je suis découragé.